quand on parle du loup, on voit sa queue, telle est la loi. C'est à quoi l'on pense, on l'attire vers soi, que ça soit bon ou mauvais. Que ça soit bon ou mauvais. Les disciples sur le chemin vers Emmaüs, parlant du Christ, on finit par le voir. Quand on parle de Dieu, il descend. Oh, que mes pensées soient tournées vers sa parole. Que mes discours soient centrés sur Jésus, pour que je vive à son amour, Seigneur. Que je vive son amour. Les apôtres avaient la promesse de la venue du Saint-Esprit. Ainsi ils montèrent tous dans la chambre porte, persévérant en prière. Et tout d'un coup, comme un vent impétueux, l'Esprit vint et il fut tous remplis parce qu'il attendait. Je veux vivre chaque instant dans l'expectative de quelque chose de très bon de ta part, comme une femme attendant famille. Faisons la layette et tout le nécessaire, parce qu'elle attend la venue d'un bébé pour que je voie ta main, Seigneur. Que je voie ta main, Seigneur. Que je vive ta puissance, Seigneur. Jusqu'à ce qu'il rencontre un vieux saint. Celui-ci lui dit, je le vois chaque jour. En regardant les cieux, je le vois. À travers la mer, je le vois. En regardant mes frères, je le vois.
travers mes sœurs. Je le vois. Oh, si tu es rempli de Dieu dans ton cœur, tu peux alors le voir partout dans la nature. Je veux être rempli de ton esprit pour que je vive tes miracles, Seigneur. Pour que je voie ta main, Seigneur. Pour que je vive ton amour, Seigneur. Pour que je vive reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.